Et salut à toi, team YouTube, j'espère que vous allez bien. L'épisode VOD numéro 8 de ce Let's Play sur Peltei Requiem. Du coup, j'espère que vous allez bien. On s'est arrêté ici au compte et compte à l'évaluation. Du coup, je sais pas où je dois partir. Ah, c'est Isaï, après il faut retourner en arrière après t'avoir découvert le dessin ou pas? Hein? Il faut retourner en arrière quand t'as découvert le dessin? Le dessin, oui, oui. Faut partir quoi. Ok. Et tu vas où après? Hein? Et tu vas où après? Oui. Oula. Derrière toi ou devant? Je sais pas, il y a des escaliers, moi. Une sorte de temple? Un sanctuaire. J'ai entendu quelqu'un en parler. Ça éveille encore plus ma curiosité. Parfait. C'est notre prochaine destination. Ça a l'air si joli. Allez, go. Je retourne sur Innocence, ok, pas de soucis, Rémi. Donc on a un oiseau magique, un ordre ancien d'alchimiste, le petit qui a des visions. Non, vraiment, je dois m'attendre à quoi d'autre? La maladie d'Hugo est... Attends, ils disent pas l'objectif. Attends, la madresse. C'est quoi la madresse? Notre mère est alchimiste, mais elle n'a rien pu faire. Oh, je crois que ça va être paumé ici. Une malédiction. Qui pourrait maudire ce charmant bambin? Je suis pas un bambin. C'est dans son sang. Ce mal remonte à... la nuit des temps. C'est injuste, mais... C'est réel, Sophia. En Guyenne, c'est pour ça que l'Inquisition nous traquait. On a failli ne jamais arriver ici. C'était horrible. Ils ont tué tout le monde. Bon sang. D'accord. On va trouver ce que vous cherchez. Ah, il faut monter des escaliers, Zay Zay. Monter ou descendre, je sais plus. C'est là, le chemin du sanctuaire. Ah bah c'est bon, j'ai trouvé. Rien à faire ici. Non, allons-y. C'est bon, j'ai trouvé. Parfait. Ça promet d'être long. Le premier haut. Pas si vite, après je vais devoir te porter. Ah, c'est en plusieurs parties ce chapitre. Ok. C'est en deux parties, quoi. Mais je sais pas si Rémi est parti, mais t'en es où dans Innocence? T'en es à peu près où? Pour savoir si t'as bien avancé depuis tout à l'heure ou pas. Bon, le chargement, t'es aussi long. Sinon, toi, monsieur Zayzay, t'en es où, toi? Voilà, j'essaye d'aller dans le sanctuaire entre les deux montagnes, là où tu dois aller, quoi. Ok, ok. Mais sinon, pour le moment, ça avance bien, quoi. Ouais. Eh, il est que 21h28. Ah, il y a peut-être moyen de refaire encore deux chapitres après. Hein. Quelqu'un est plus fatigué que toi, on dirait. Je déteste les montagnes. J'ai toujours été plus à l'aise. Après, si on peut bien avancer aujourd'hui, c'est pour ça que si on aurait joué à 18h, ça aurait été parfait. On est immense aussi. Tu sais, bon. C'est sa première fois en montagne. Eh bien, dans ce cas, on va tous devenir immenses. Ok. On va essayer d'avancer bien aujourd'hui, les amis, puis comme ça, demain pareil, puis mercredi, c'est sûr, on aura fini, quoi. Jusqu'au sanctuaire. Tu
sais ce que ça veut dire, presque? Courage, ça vaut la peine de transpirer un peu. Regarde sa taille. Qu'est-ce que vous espérez trouver là-haut? Je veux voir l'oiseau, le vrai. Ou l'arbre, ou la mare. Je préférerais un élixir. Quelque chose qui t'aiderait vraiment, Hugo. Peut-être que l'oiseau en aura. De l'eau de source! Comment il peut courir par cette chaleur? Magie de l'enfance. Il s'endort aussi en une seconde. Elle a l'air tellement fraîche. Elle l'est. Exactement ce qu'il me fallait. Hé, Hugo, ton visage est tout sale. Je vais t'arranger ça. Ah! Attaque tout! Hé! Contre-attaque! Pour les deux rues! D'accord, d'accord. Je me rends. Pour les deux rues! Trempée comme une soupe. Ah, sacré Hugo, hein. Vous. Une navigatrice vaincue par l'eau. Il m'a mis de l'eau dans les yeux, d'accord? Je l'ai fait exprès. Ça, c'est mon frère. Eh ben, quelle famille. Bien joué, Hugo. J'aurai ma revanche. Bah, par contre, je trouve que celui qui est avec nous, là, je sais plus comment ça s'appelle, la gonzesse. Je fais quand même plus confiance à elle que quelqu'un d'autre, hein. Moi non. Des chèvres. Ah ouais. Faut pas oublier que c'est une voleuse de trésors. N'aie pas peur. Elle préfère de loin les feuilles d'olivier. Ouais, mais bon. Elle va voler quoi sur nous? Elle crie. Bah, si le gosse il a de la valeur, elle peut le revendre à quelqu'un. Notre proche. Ah, ouais. Donner à quelqu'un contre de l'argent. Il y en a trop. Ouais. Vous comptez vous rendre au sanctuaire de l'enfant? Tout à fait. Ah, moi je lui fais pas confiance. Vous arrivez trop tard. Ah. Ils ont fermé les portes comme vous. Ça me fait penser un peu dans Uncharted, tu sais, la meuf qui trahit à un moment donné. Tu l'aides et puis après elle vient trahir. Les chèvres à côté vous en rapprochera. Chloé. Mais regardez de loin. Le comte et la comtesse sont en haut et les gardes sont à cran avec ce qui s'est passé hier. Je sais plus. Ils seront pas tendres avec les invités surprises. On gardera ça en tête. Merci à vous. Et au passage, si vous tombez sur Tramontane, vous pouvez me la renvoyer? C'est une de mes chèvres. On essaiera. Bonne chance alors. J'espère qu'elle nous attaquera pas. Oh, allez, c'est une chèvre, pas un loup. Mais elle crie. Oh, ça oui. Allez, go. Ils ont fermé l'accès au sanctuaire. Pas de chance. Vois le bon côté. On ne boucle pas un endroit comme ça si on n'a rien d'important à y cacher. Oui, mais j'ai encore plus envie de savoir maintenant. Écoutez, c'est la chèvre du monsieur. Tramontane, oui. Oh. Allez, on continue. Mais, Tramontane... Elle trouvera son chemin. N'en fais pas. Les chèvres savent grimper. Le sanctuaire est notre priorité. Merci pour vos offrandes. Pardon de vous brusquer, mais la cérémonie va bientôt commencer. Un soldat. Oh, aucun problème. Assurez-vous que allez, tout passe bien. Allez, monte. Oh. On a eu assez de violence hier. L'enfant monte. Est très mécontent. Redoublerons de vigilance. N'ayez crainte. Mmh. Descends prudemment. D'accord. On fait quoi des dernières offrandes? Elles restent ici pour le moment. Attention. On les déposera là-haut après la cérémonie. On dirait qu'ils tiennent à leur tranquillité ici. Donc, comment allons-nous passer? Hors de question que je les attaque. On serait jetés en prison. Ou pire, j'ai une botte secrète. Ce prisme concentre la lumière. Il peut brûler les herbes hautes. Ça fait de la fumée. Et ça attire l'attention des gardes. Waouh! Alors essayons, dis-moi où tu veux attirer un garde, uniquement dans les hautes herbes. L'enfant sait. Oui, c'est ça qui est important. Essaye ici. Ça a marché. Parfait. Bougez dès qu'il est parti, ça dure jamais longtemps. D'accord? C'était sûrement rien. Sophia, ton prisme pourrait nous aider. On va faire un beau feu. C'est quoi cette fumée? C'est presque trop facile. Il fait chaud, hein? Une fausse alerte de c'est plus. Tu es uniforme. J'étais sûr. Tu connais le compte, hein? Faire ça dans les règles. Ouais.
prochaine fois, on demandera à se poster près des ruines. Oh la vache. Et j'aimerais voir la procession pour changer. Sophia, utilise ton prisme. Capte-t-on un peu de lumière. Hein? De la fumée? C'est quoi ça? Regardez, ça marche. Voilà la porte. Dépêchons-nous. C'est bon. Ouf. Ouais, on a eu chaud les amis hein. Je savais pas parler pour faire l'infiltration et j'ai réussi. Ça fait plaisir. Prisme est magique. C'est vrai. Mais on n'y est pas encore. Incroyable. De quoi? Bah, j'ai réussi à faire une toute infiltration là, pour entrer dans le bâtiment là. C'est quand, tu dois faire ramer le champ là, pour passer là. Oui je vois. J'ai passé du premier coup là. Oh, c'est très haut. Oh, mince. Restez collé au mur. On avance. J'ai la tête qui tourne. Bon, on sort. Tout va bien. Bah, j'étais presque. Non. T'es chaud. J'aime pas tes acrobaties, petit. Je suis sûr que c'est chaud à un point. Je veux partir. J'imagine même pas. On continue. Ouais, bah c'est bon, ils aiment. On y est, on a réussi. Me découragez pas tout de suite. Je suis désolée, c'était beaucoup trop risqué. Ça va mieux. Merci, Sophia. C'est rien, c'est juste. Ce qui me fait le plus peur. On devrait marcher. Oh, c'est beau. En terrain sûr. Oh, toutes ces fleurs. Ça doit être pour leur cérémonie. Oh merde. Ils sont vraiment énervés. Je crois qu'on n'est pas du tout les bienvenus. De toute façon, il est hors de question de se faire repérer. On serait soit tué, soit chassé de l'île. Oh merde. Il y a trop de gardes là. Seul inconvénient, ce jeu est un numérique, mais je vais pouvoir y jouer dès demain. Bah, c'est encore mieux. C'est encore mieux ça, Rémi. C'est pas vu que je jouais. Ah, ça va être chaud. Quand tu disais c'est avec un endroit galère que Zayzay. Ouais. C'est avec plusieurs. Un endroit où elle t'apprend. En gros, tu peux te servir de la meuf pour faire du feu dans les champs. Ah non, mais moi j'ai passé passage moi. Je suis après moi. Ah bon? Ah oui, moi je suis rentré dans un endroit où il y a plusieurs mecs. Ah oui, mais moi aussi, non, mais oui, mais après tu vas continuer à faire ça. Ah là, je suis là où il y a le mec en armure là. Il y a trop de monde sur le chemin principal. Faisons le tour, attention. Les ordures. Cachez le moment le plus important de l'année. Sophia, ton prisme nous serait utile. Captons un peu de lumière. Oh, c'est chaud. Ouais, mais j'aurais bien voulu aimer en physique. Ouais, mais bon, ouais.
Dieu. Je suis trop avec le feu, moi. Bah justement, ouais, c'est le but. Non, mais... Très joué avec le feu. Quelle ouais, blague. J'avoue. Au moins, je vais pouvoir enchaîner directement. Ouais, t'es pas comme moi et Dredd d'avoir attendu plusieurs... longtemps pour y jouer, quoi. Non, tu m'as pas vu. Là, je suis au chapitre 15 sur Innocence. Ah bah, j'ai hâte. Bientôt à la fin, quoi. Ouais. C'est vrai qu'il est quasiment à la fin du premier en plus. L'ordre est trop vieux, peut-être. Et puis si demain tu l'as le jeu Requiem, tu vas pouvoir enchaîner directement demain. Incroyable. Putain, je sais pas, je vais où là. Oh putain. Je remonte. Ah, je suis bloqué. Je sais pas à quel côté faut que j'y aille. Oh, ça va être chaud. Ah, dis pas qu'il faut descendre. Ah. Vas-y, va. Va, mon gamin. C'est quoi, toute cette fumée ? Ça marche à tous les coups. Ah, ça marche à tous les coups, avec tous les coups. Pas de quoi s'inquiéter. Oh, j'ai serré les fesses. Oh, j'ai serré les fesses. Merde. Là, par contre... Comment je vais faire? Ça commence à être trop chaud, les amis. Putain, ça se trouve, je suis à la fin en plus. Ouh, ça va être chaud. Je me suis trompé au chapitre 16 en fait. Je suis pas loin de la cathédrale. On veut pas savoir. Ah bah si, c'est quasiment à la fin en fait. Très attention. Quand il y a la cathédrale et Isaïe dans le premier, c'est à la fin. Ah, dans le premier. Ouais. Tu parlais du. Non, c'est dans le premier. Ouais, je crois que c'est pas loin de la fin, ouais. Pas loin de la du combat final. Ouais. Merde, c'est pas lui. Putain. Mais c'est quoi ça? Il faut voir d'où venait ce bruit. Oh putain, vas-y. Vas-y, je vais tenter. Pas encore. Non, il m'a pas vu. Voilà, c'est...
Voilà qui m'a pas vu. Oh le bâtard. Et c'est chaud les amis. Allez. C'est pas possible. Moi, l'infiltration, ça fait deux. Hein. Ah ouais, mec. Je passe comment hein. Mais c'est pas lui. Oh. Oh merde. C'est pas lui le truc. T'es tout en haut toi, Zézé, ou pas encore? De quoi? T'as réussi toi? Ouais, ouais. Putain, je sais pas comment t'as fait. Hein. Alors, Hugo, tu rêves souvent d'oiseaux magiques et tout ça? Non, c'est nouveau. Mais c'est pas un rêve. C'est comme si c'était vrai. Alors t'as bien vu que c'est ici. Attends. Vas-y, descends toi, mon salaud. Vite. Ça roulera sans problème. C'est quoi, viens? Utilise ton prise à main, captons un peu de lumière. De la fumée? C'est presque quoi, trop facile. Un des intrus, restez vigilants. Oh non! Ça marche à tous les coups. Regardez, ça marche. Ah vas-y! C'est quoi ça? Putain. Ouais. Vas-y, je recommence là. Ouais, ça va, c'est là où j'ai perdu, mais bon. J'y arrive pas, moi. Mon Dieu. C'est chaud. Hein. Après ça va, Zéiza, et après c'est simple ou pas? Après c'est beaucoup narratif et t'as juste à avancer. Ok. Vas-y. C'est quoi toute cette fumée? C'est presque trop facile. Je sais pas si il faut passer par là. Rien. C'est bon. Là où il ne voit pas. Bon. Hop là. Bon. Après c'est plus narratif, c'est ça, Zay? Ouais.
Ok. On va y arriver, les amis. On y est presque. Oh, oui. Comment tu te sens, Hugo? Un peu bizarre, mais bien. Je suis sûre qu'il y a quelque chose dans la montagne. Je le sens aussi. Eh bien, je vous fais confiance. Oh. Ok. Je dis que oui. Alors il sera honoré que tu la portes. Garde-la pour quand on le verra. Oui, comme ça je la lui rendrai. Attention en descendant. Nous attendons encore quelques retardataires. D'ici là, n'ayez pas peur de vous rapprocher. Des retardataires? Je dirais que c'est nous. Qu'est-ce qu'on va faire? On va bien trouver. Ok, on va juste avancer un petit peu. Ok. Amuse et enfant. Nous fêtons le jour le plus long de l'année. Les rayons du solstice d'été reviennent illuminer nos vies. T'as fini le chapitre, Zig? Pourtant. Non, pas encore, mais je pense que je suis bientôt glacée, à la fin du chapitre. À l'abri du soleil. Depuis tout à l'heure, je dis ça. Ouais. L'heure est venue pour le glorieux. Chapitre 8 était tellement. Très peu long. C'est ça, on voulait que ça soit tout en pareil. Digne de veiller sur lui. Telle mère. Tel père. Prions tous ensemble avant de franchir le seuil. Bah moi, je suis en train de me déguiser, là. Tu sais, pour passer incognito. Tu en penses quoi? Risqué, mais ça peut marcher. On va mettre des déguisements? C'est à partir qu'on s'est déguisé, Zayzay, c'est narratif? Ouais. Ok. C'est toujours narratif, toi? En fait, t'avances un petit peu, tu marches et tout, tu fais quelques actions, mais tu fais rien de combat, t'as presque rien en fait. Ça parle, ça t'explique qu'est-ce qu'il faut faire et puis tu fais quoi. Ok. Vous être compté. Afin qu'il ne soit jamais oublié. Qu'est-ce qu'on fait? Suivons-les à notre tour et faisons ce qu'ils disent. Ils ne doivent pas nous reconnaître. Mais ça change complètement du 1 quand même. J'adore moi. Ah c'est là la grande place qu'on avait vue en image. Cet endroit leur appartenait. Mais ça par contre dans l'image on voit qu'ils sont tous les deux. Un enfant naquit sur cette île. Son cœur est béni par le soleil. Et de lui, il a hérité la flamme qui gouverne en toutes choses. Ainsi naquit l'enfant. Quoi? Sa flamme illumina le monde. Il le bénit de son parfum, de ses rires, de sa joie. Pour foyer, il choisit Lacuna. L'île devint un havre de vie et de paix, un lieu de guérison, de prospérité. Lacuna devint un berceau de lumière. Mais le mal convoite la lumière. Et le mal est impitoyable. Venez. Et le mal est impitoyable. Regarde, c'est tellement beau. C'est le porteur de la magie. Cette fresque était dans le laboratoire de père à la maison. À genoux. Ok. Le mal trouva l'enfant dans ses lieux sacrés. Il se nourrit de sa flamme. Il l'affaiblit. Marqua sa chair de noires cicatrices. Les bras de sa mère ne suffirent plus à le réchauffer. Et ainsi déclina sa lumière. Presque entièrement. Et l'enfant du feu devint l'enfant des braises. Seigneur. Une ère de ténèbres débuta. Les hommes l'oublièrent, mais pas nous. Cette flamme est l'ultime éclat de sa lumière.
notre espoir. En ce jour, deux d'entre vous, une femme et un enfant, la porteront à travers sa nuit. Vous, vous inclinez la tête. Votre humilité vous honore. Vous porterez sa flamme dans ses heures les plus sombres. Prenez-la. Ah bah oui, comme par hasard, c'est nous. Vous marcherez dans ses pas. Vous sentirez le froid mordant la chair. Vous vous noirez dans l'absence de lumière et l'incertitude. Vous verrez l'enfant mourir à travers les yeux de sa mère. Vous serez à la fois victime et témoin. Gardez la flamme en vie, quoi qu'il en coûte. Les porteurs ont été choisis. Prenez place. Qu'est-ce qu'on fait? On doit jouer le jeu. Il faut traverser. Merde. Avancez et portez-lui la lumière. Tout repose sur vous. Ok. C'est terrible. C'est assez fresque. La peste. Il pense qu'elle est apparue à cause de la mort de l'enfant. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas la macula? Je ne pense pas. Ils ont interprété tout ça. Ils ont fait un dieu du porteur de la macula. Amicia, l'eau va éteindre la torche. Je pense que ça fait partie de leur rituel. Se noyer dans l'absence de lumière. Oh, j'ai froid. C'est fini. On va bientôt se réchauffer. C'était horrible. Mais tu as réussi. J'ai cru que je me noyais. Calme-toi. Tout va bien. Non. Wow. Ça fait flipper le truc. Hein. Allez, marche. Je suis avec toi. T'as vu, c'est une secte, le bordel. J'avais raison tout à l'heure. Ouais. Je disais, putain, c'est chelou, on dirait une secte. Bienvenue dans Resident Evil 4 de Village. J'y arrive pas, ce chariot est de mes deux. Ah, le chariot, quand tu l'as poussé avec l'autre, là. Ses braises rougeoient dans les ténèbres. T'inquiète pas, j'avais galéré ce passage-là, Rémi. Remettez-la-moi. Vous avez bien agi. Je déteste cette partie. Ah bah oui. Entends-moi, enfant. Je ne suis plus un féconde, car ta flamme vit en moi. Je suis la mère. Deviens le phénix, l'enfant du feu, ressuscité. Depuis 21h45, j'y suis au moins. Ah ouais? Incroyable. Le phénix? C'est le phénix? Chut. Oui, je le vois. Il existe. Même si c'est l'ordre, tout est vrai. De la vie rallume sa flamme. Ils vont voir qu'on est parti. Pas pour le moment. On est tous habillés pareil. Mon Dieu. Waouh, c'est trop beau. Un trône d'enfant. Il vivait là. Leur enfant des braises.
Il n'y a pas d'enfants des Braises. Je t'ai parlé de l'ordre. Ce lieu leur appartenait. Et cet enfant, sur les fresques, c'est le porteur de la Prima Macula. La Prima Macula. Ça devient de mieux en mieux. Les alchimistes l'appellent la première corruption. Elle est dans le sang d'Hugo depuis sa naissance. Et elle continue de grandir en lui. Et elle le tuera. C'est la raison d'être de cet endroit. Accueillir le porteur de la Macula. L'ordre se serait rassemblé ici afin de l'étudier et de trouver une solution. Et Hera... Ne me dis rien. Mort, guerre, maladie et famine. Pas seulement. Les rats... Peu importe, ils se trompent totalement. Il n'y a pas d'enfant des Braises. Aucun enfant ne va sauver le monde. Ce n'est qu'une légende, fondée sur de faux espoirs. Honnêtement, rien de tout ça n'a de sens pour moi. Une partie est vraie. Et elle peut sauver Hugo. C'est la seule chose qui compte. Basilius et Aelia. Ça change rien. Cette eau est pas magique. Pourquoi l'eau? Oh, l'eau qui te soignait dans ton rêve. C'est comme un symbole. T'es toujours même chapitre, Aelia. Ouais, ouais. Ouais, tu sais, l'eau croupie, c'est rarement magique. Hé, hey, viens voir. Ça, c'est son trône. Et là, je crois que c'est son nom. Basilius. C'était un porteur, comme toi. Tu n'es pas le seul. C'est pour ça que tu as fait ce rêve. Quelque chose t'a appelé ici, pour une bonne raison. C'est vrai, regarde cet endroit. S'il y a un remède, il est forcément ici. Et c'est qui, Aelia? On dirait qu'il y a un passage qui mène ailleurs, là, derrière. Allons voir ça. Waouh. Allez, viens. Je suis sûre que nous allons trouver des choses incroyables. Attends, la musique du premier jeu maintenant. C'est quoi tout ça? Est-ce qu'on est les premiers à venir ici? Oh, une cabane! C'est vrai. Elle a l'air intacte. Trop sacrée pour eux, probablement. J'ai l'impression que c'est les objets de Hugo, ça. Et tu sais à qui est cette chambre? C'est la sienne! C'est la chambre de Basilius! Tu imagines? Il vivait ici. Jouait ici. Il s'asseyait là où tu es assis. C'est incroyable, non? Oui. Et il aimait construire des cabanes, comme toi. Tu aimes les cabanes? Moi aussi. Il avait un phénix. Oui. Il faisait peut-être les mêmes rêves que toi. Voyons ce qu'il nous a laissé d'autre. Oh, la musique! Quel joli cheval! Il est à ta taille. À mon avis, il avait ton âge. Oui. Alors ça, c'était son lit. Il est si beau. Ce Basilius était traité comme un roi. Peut-être que c'était un roi. Le roi Basilius. Chambre d'un guerrier. Pas n'importe quel guerrier. Regarde la forme de l'armure. Eh bien, quoi? C'est l'armure d'une dame. Oh. Aelia! C'est sa chambre, bien sûr. C'était elle, sa protectrice. Protectrice? La garde personnelle du porteur. Comme moi, pour Hugo. Elle avait l'air forte. Oh, je vois dans quel délire ils vont aller. Regarde, des tablettes de cire. Elles sont gravées. Il l'a dessinée. Et là, il s'est dessiné avec elle. Il l'aimait vraiment beaucoup. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble, on dirait. Tout comme nous. C'est vraiment étrange.
Ça l'est. Continuons. C'est incroyable. C'est comme si je les connaissais. Comme si Basilius aurait pu être mon ami. Je vois ce que tu veux dire. Oh, regarde. Et encore cet oiseau. Cette forme, c'est le symbole de l'ordre. Le phénix, c'est l'ordre. C'est juste ça. Oh, désolée. Non. Ça explique pourquoi ils se dressent au-dessus de l'enfant sur leur fresque. Ils pensaient qu'ils étaient mieux que lui. Ils s'en fichaient de lui. Ça ne change rien pour nous. Viens, faisons ce qu'on doit faire, d'accord? Ça va, Zayzay? Nickel. C'est pas vrai. C'est quoi tout ça? Un laboratoire d'alchimiste. On peut partir maintenant? Mais ça ressemble exactement à ce que tu cherches, non? Oui, mais... Non, non, tu as raison. Chercher tout ce qui pourrait nous mener à un élixir, une potion, des livres, des dessins, peut-être des produits bruts. On s'y met. Mm-hmm. C'est... Je sais même pas à quoi ça servait. Allez, donnez-moi un indice. Il reste pas grand-chose. Un phénix. Cherchez un phénix. J'ai reçu le chariot, bah, GG à toi, ce Rémi. GG à toi. Ah, chapitre terminé. Ça est inutile. Ah bah putain. Il est loin, ce point. Oui. Hugo, t'as trouvé quelque chose? Cette table. Il le mettait dessus. Attends, j'arrive. Il lui faisait du mal, lui aussi. Et je sais que les choses se passent pas comme tu l'espérais. Mais... Rien ne change jamais, Amicia. Mais Aelia était là pour le protéger, pas vrai? Tu as laissé Vaudin. Non, j'ai voulu l'arrêter. Je sais que tu as essayé. Pardon. Zizé qui a réussi à chapitre. Sophia, où es-tu? En haut. Comment t'es arrivée là? Regardez derrière les rideaux. Derrière les rideaux. En haut, tes rideaux, elle. Oh là. Viens, Hugo. C'est quoi ça? Il n'y a pas de porte. Une sorte de salle d'observation. Du coup, t'es déjà au chapitre 10 alors, du coup. Ouais. Parfait. Qu'as-tu trouvé? On a encore 5 chapitres après à faire. Qu'ils observaient l'enfant d'ici. Mmh. Ah oui, on a 17 en tout. On est au-dessus de la table du laboratoire. On a 16 normales et 17 pour l'épilogue. Concentrons-nous sur ce qu'ils ont découvert. J'ai peut-être une piste. Ils parlent d'un remède? Non, mais ils ont pris d'autres notes. Qu'est-ce que c'est? Des alchimistes. Ils ont noté tout ce qui arrivait aux porteurs. C'est classé par date. La dernière inscription remonte à l'an 541. 541? Qu'est-ce que ça dit? J'ai pas travaillé mon latin depuis le couvent, mais ça parle de Basilius et d'une Aelia Dragas, sa protectrice. Alors c'est vraiment arrivé. Ils étaient comme nous. Il leur est arrivé quoi? L'ordre a séparé Aelia du porteur. Elle s'est rebellée et ils l'ont arrêtée près d'une tour ronde.
Et ils l'ont emmené dans une... Capella, une chapelle, dans un fort. Et Basilius, il est où? Aucune idée. Bon, on a déjà quelques pistes. Un fort, une tour ronde. Ils arrivent. Heureusement qu'ils ont pris leur temps. Oui, on doit filer d'ici, vite. Ça n'a rien à voir avec le premier opus 100 quand même. Par là-bas. Ah, ça reste Aïe. C'est risqué, mais l'eau nous aidera. On essaie. L'eau t'y tire. T'as une cinématique là, toi, ou t'es en train de jouer là? Non, je suis en train de jouer. Ok. Go, cassons-nous d'ici. Oh, c'est vraiment répugnant. J'aurais aimé que tu vois mon rêve. Au début, ça faisait peur. Mais après, tu aurais vu toutes ces fleurs. Continue d'en parler, s'il te plaît. L'arbre sentait si bon, avec des branches comme des cheveux. Il avait l'air doux. Continue. Et l'eau, on aurait dit qu'elle pouvait tout guérir. Pas comme celle-là. Okay. C'est bien, Hugo. Et ben voilà. Du coup, quand on est sorti, Zeizei dans l'eau après, c'est la fin ou pas? De quoi? Quand on sort par les égouts, là. Mm-hmm. C'est fini ou pas encore? Ça donne un nouveau sens au mot puanteur. Quand tu sors, ouais, c'est la fin. Ah oh, bah nickel. Allons voir ce fort. Hugo? Il n'y avait pas de fort dans mon rêve. Peut-être. Mais ton rêve nous a mis sur la bonne voie. On a appris plein de choses. Et on va bientôt découvrir le reste. Tu ne veux pas savoir ce qui est arrivé à cet Aelia et à ton ancêtre? Tout va bien se passer. On peut enlever ces habits qui sentent pas bon maintenant. Oui, bonne idée. Et ben voilà, chapitre suivant. Chapitre 10, les amis. Ligne de sang. Putain, la vache, le nombre des chapitres, mon dieu, ça fait peur. Du coup, bah comme d'habitude, les amis, on va attendre la première cinématique du chapitre. Et puis après, on arrêtera la VOD ici. La VOD numéro 8. Et on en commencera la VOD 9. Bah après, à Zeizei, on verra bien si tu vois qu'à 23h, on termine seulement le chapitre 10. On s'arrêtera au chapitre 11. Oui. Et demain, je pourrais jouer toi. Dès que...
Moi, je suis au code, quoi. C'est ça le problème. Ah ouais. Mais bon, à 19h30, on pourra commencer, quoi. On pourra jouer. Vas-y. Normalement, 19h30, je serai rentré. Ça marche. Comme ça, si on s'arrête au 11, ça veut dire on fera le 11, le 12, le 13. Et pourquoi pas... En fait, ça serait bien si demain, on arrive jusqu'au chapitre 14. Parce que si demain, on s'arrête au début du chapitre 14, il resterait que 3 chapitres à faire pour le mercredi. Comme ça, on est sûr de finir mercredi. Hein, Zay. Yep. Très bien. Personne n'a rien vu. Oh, happy day. Bien joué. Surtout toi. J'ai jamais vu un enfant aussi discret. Écoute, les décors sont tellement beaux. S'il n'y a pas de fort dans ton rêve, alors on cherchera la tour ronde, d'accord ? D'accord. Et peut-être qu'il y a de nouvelles décorations pour la fête. Bon, les amis, on va s'arrêter ici pour la VOD sur YouTube. J'espère que vous avez plu. C'était le nouveau épisode VOD numéro 8. N'hésitez pas à bombarder le pouce bleu, à nous dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé. Et puis on se retrouve très vite pour la VOD numéro 9. Salut, salut!